Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez un problème d'affichage sur votre ordinateur. Sûrement des lignes verticales ou horizontales qui prennent toute la longueur de l'écran, qui sont rouges ou bleues ou verts, et cela vient probablement de votre dalle qui est HS. Pour vérifier ça, on va voir si ça vient de votre dalle ou de votre carte graphique en connectant votre ordinateur avec un câble de connexion vidéo, soit les anciennes fiches ou bien une prise HDMI si vous avez une sortie, et vous connectez donc votre ordinateur à une télé ou à un écran ou à un rétroprojecteur. Vous dupliquez ensuite votre écran en allant dans Démarrer, panneau de configuration, matériel et audio, se connecter à un rétroprojecteur. Alors ça peut changer selon la version de Windows que vous avez, mais vous devriez trouver ces paramètres assez facilement. Et vous dupliquez votre écran. Pour vérifier si ça vient de votre dalle ou de votre carte graphique, c'est tout simple. Si l'écran qui est dupliqué ne présente aucune ligne verticale ou horizontale, c'est que le problème vient de la dalle de votre ordinateur. Alors sachez que la dalle n'est pas réparable en soi, il faut la changer. Et pour ce faire, vous allez découvrir dans cette vidéo, en cliquant sur ce lien ou en cliquant dans la description, comment changer votre dalle d'ordinateur et choisir le bon modèle en fonction de votre ordinateur.